Pourquoi ? Parce que déjà, c'est les vacances scolaires. Cet appel a été lancé du lendemain pour hier pour aujourd'hui. Mais effectivement, les collègues ont très bien compris qu'effectivement, la justice, une fois de plus, s'est défaussée par rapport à son rendu. Bah, c'est pour contester le rendu de justice de Verrier-Châtillon suite à l'appel du tribunal, les appels du premier rendu originel. L'appel a rendu un rendu de justice inférieur à celui du premier. Et donc, effectivement, on ne comprend pas pourquoi certains jeunes ressortent libres. Alors, le ministre nous soutient, sauf qu'en face, il y a la justice. Et avec l'indépendance maintenant de la justice et depuis longtemps la justice-police, bah, effectivement, je pense qu'il faut travailler de concert si on veut lutter efficacement contre l'insécurité qui gangrène notre pays. Qui veut tuer un flic et envoie un côté de moteur pour cramer un flic dans sa voiture, un mineur. Il a pris 18 ans, les peines sont divisées par deux. Dans 9-10 ans, ce jeune homme est sorti. Sauf que la collègue a été victime de brûlures deuxième ou à troisième degré à vie. Donc quelque part, c'est vrai qu'on ne comprend pas. Solidaires, car pour eux, il n'y aura pas de remise de peine. Ils porteront ces blessures à vie. En première instance, sur les 13 accusés, 8 avaient été reconnus coupables de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ils ne sont plus que 5 en deuxième instance. Les peines qui allaient de 10 à 20 ans de prison s'échelonnent désormais entre 6 et 18 ans. Le parquet général avait demandé des peines allant de 20 à 30 ans de réclusion criminelle. C'est le même dossier. On a les mêmes preuves et pourtant, 3 personnes de moins sont reconnues coupables. Nous venons d'assister à un naufrage judiciaire. Alors que l'on sait qu'il y avait 16 assaillants, on se retrouve avec 5 condamnations. Ce sont des décisions qui affaiblissent la République. On ne doit pas faiblir face aux voyous qui cherchent à gérer des zones en toute impunité par des exactions de plus en plus violentes. Des zones qu'ils rêvent sans police, sans école et sans État. On ne peut pas faiblir face à des voyous qui tentent de tuer des policiers. Chaque réponse faible face à la délinquance est un peu de la liberté de nos concitoyens qui disparaît. Chaque jour, nous essuyons des attaques de plus en plus violentes, de plus en plus programmées, des attaques planifiées et armées. Il ne suffit pas de s'offusquer quand on agresse un policier. Le devoir des gouvernants est de protéger ceux qui les protègent, de protéger ceux qui protègent les citoyens. Aucune impunité ou faiblesse face aux agresseurs des forces de l'ordre ne peut être tolérée. Les peines ne peuvent être qu'exemplaires. Les violences urbaines de ces dernières semaines sont malheureusement une preuve supplémentaire que la police ne fait plus peur, que les lois ne font plus peur. Les lois ne semblent exister que pour les honnêtes gens. Il est urgent de rétablir une justice forte pour une police respectée et une société apaisée. Nous tenions aujourd'hui à démontrer notre solidarité avec nos collègues attaqués à Viry-Châtillon et par là même avec les milliers de policiers blessés chaque année. C'est chose faite, merci pour votre présence.